Shalom à toi. Aujourd'hui, j'ai juste une petite question à te poser. Par qui es-tu obsédé? Paul était tellement obsédé par Christ, il était tellement ancré en lui, qu'il a fini par dire dans Romains 8, au verset 38, je crois, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, par qui es-tu obsédé? D'autres sont tellement obsédés par leur téléphone, de telle en sorte qu'ils ne peuvent pas vivre une seule journée sans cela en main. D'autres sont obsédés par l'amour du siècle présent, la visibilité, la popularité, l'argent, les femmes, le luxe et tout cela. Par qui es-tu obsédé? Christ est ma priorité. Il a envahi mes pensées. Il a envahi mon esprit. Il a envahi mon cœur. Je suis obsédé par Christ. Je suis Miracle Béni Référence, jeune chrétien, obsédé par Christ. Shalom. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Miracle Béni TV.